أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Un jour viendra où Allah réunira les messagers et leur dira:
Que vous a-t-il été répondu? Ils diront, nous n'avons aucune connaissance et c'est toi le suprême connaisseur des secrets insondables. Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, souviens-toi de ma grâce, cette grâce dont je t'ai comblé et ai comblé ta mère, lorsque je t'ai appuyé par le Saint-Esprit. Depuis le berceau, tu parlais aux hommes ainsi qu'à l'âge adulte. Je t'ai enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Alors tu façonnais d'argile comme une forme d'oiseau, puis tu soufflais dedans et elle devenait oiseau par ma permission. Tu guérissais l'aveugle né et le lépreux par ma permission. Et toujours par ma permission, tu faisais revivre les morts. Souviens-toi aussi quand j'ai empêché les enfants d'Israël de t'inquiéter davantage. Cependant que tu leur apportais les preuves évidentes et que les mécréants parmi eux disaient « C'est manifestement de la magie pure ». Et quand j'ai inspiré aux apôtres la révélation que voici, « Ayez foi en moi et en mon messager », ils dirent « Nous avons foi, alors sois témoin que nous te sommes soumis ». Un jour, les apôtres dirent, « Ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il du ciel faire descendre sur nous une table servie ?» Il répondit, « Craignez donc Allah si vous êtes croyants. » Ils dirent alors, « Nous voulons en manger afin que nos cœurs soient rassurés. Nous saurons ainsi que tu nous as dit la vérité et nous en serons parmi les témoins. » Ô Allah, notre Seigneur, dit alors Jésus, fils de Marie, fais donc descendre du ciel sur nous une table qui soit un banquet pour nous, pour le premier et le dernier d'entre nous, et qui soit également un signe de ta part. Et dispense-nous tes richesses, car tu es le meilleur dispensateur. Sois, dit Allah. « Je la ferai descendre sur vous, mais celui qui d'entre vous m'y croira encore, je le soumettrai à un supplice auquel je ne soumettrai personne au monde. » Et viendra le jour où Allah dira, « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, « Prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités autres qu'Allah. Gloire te soit rendue, » répondra-t-il. Ce n'est certes pas à moi de dire ce qui n'est pas de mon droit. Et d'ailleurs, l'aurais-je dit que tu l'aurais su tout de même. Car tu sais ce qui est en mon être et je ne sais point en ce qui est en ton être. C'est bien toi le suprême connaisseur des secrets insondables. Je ne leur ai rien dit d'autre que ce que tu m'as ordonné de dire. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Tant que j'étais parmi eux, j'étais témoin contre eux. Puis quand tu me rappelais vers toi, tu étais toi-même celui qui les observait attentivement. Car tu es de toutes choses témoin. Si tu les soumets au supplice, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le Tout-Puissant, le Sage. Allah dira alors, voici venu le jour où profiteront de leur sincérité les sincères. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Là, ils séjourneront à jamais. Allah les aura agréés et ils l'auront agréé. Voilà le suprême succès. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux, de la terre et de ce qu'ils contiennent. Et il est de toutes choses infiniment capable.